à quelques mois de l'organisation du dialogue national d'avril 2024 qui devrait aboutir à l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution et l'organisation de nouvelles élections, l'ancien candidat à la présidentielle d'août 2023, le professeur Albert Ondoossa, préconise un homme intègre à la tête du Gabon. Le mouvement de redressement national. Nous sommes toujours sur le redressement de ce pays. Et à toutes mes interventions, j'ai donné les conditions pour que ce pays soit redressé. Et ces conditions demeurent. Ne pourra redresser ce pays que celui qui présentera ses deux mains, n'avoir jamais tué, n'avoir jamais volé. Entre 1981 et 1990, la population gabonaise a été excédée par le Parti démocratique gabonais, parti unique, parti État. Le mouvement de redressement national, le Morena, parti politique d'opposition, clandestin à l'époque, mis en place par des leaders charismatiques tels que Simon Oyonnaba, Jean-Baptiste Obiang Etougué, Barthélémy Moubamba Nzengui ou encore Luc Bongonossi, pour ne citer que cela, organise une marche dite de la gare routière, exacerbée par la grève des étudiants de l'université Omar Bongo en 1990, ce qui oblige le président Omar Bongo à accepter la tenue de la conférence nationale de mars-avril de la même année. Le procès du Morena a eu un retentissement international grâce aux actions de Jean-Hilaire Obam, Adrien Nguemondo, les prélats Mbabe Solo, Paul, Jean-Pierre Elelarze et d'autres Gabonais installés en exil à Paris en France. Conférence nationale à l'issue de laquelle le retour au multipartisme fut réinstauré. La première élection démocratique organisée en 1993 voit la victoire controversée du président Bongo face à son rival, le père Paul Mbabe Solo. Je ne veux pas dire que les prisonniers politiques du Morena ont été libérés grâce à lui, mais il y a contribué à son niveau. Autre proposition, la mise en place d'une commission vérité, restauration et réconciliation. Une contribution qui cadre avec l'objectif du retour de la confiance et la stabilité politique annoncée par le gouvernement de transition.